Bienvenue dans cette 11e vidéo de la série sur le langage JavaScript. Dans notre quotidien de développeur, nous manipulons le plus souvent les chaînes de caractères que les outils primitifs. L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment manipuler les chaînes de caractères en JavaScript. Concernant le contenu, nous parlerons des particularités des chaînes de caractères en JavaScript. Nous verrons comment échapper des caractères. Nous verrons l'utilisation du template littéral, du string interpolation, et nous terminerons par quelques méthodes de manipulation des chaînes de caractères en JavaScript. En JavaScript, les chaînes de caractères sont représentées par le type string. Et pour vérifier qu'une variable contient une valeur qui est une chaîne de caractères, on utilise l'opérateur typeof, dont le résultat de retour est la chaîne string, lorsque la variable sur laquelle elle est appliquée contient une valeur qui est une chaîne de caractères. Nous avons donc ici un exemple où nous utilisons le typeof pour déterminer le type de certaines variables que nous avons précédemment déclarées ici. Donc on voit bien que les variables test et name qui sont des chaînes de caractères, lorsqu'on applique, on affiche le résultat de retour du typeof appliqué sur ces variables, on obtient une chaîne de caractères qui est string dans les deux cas. En JavaScript, les chaînes de caractères fonctionnent exactement comme les tableaux, c'est-à-dire que ce sont des tableaux de caractères. Leur seule particularité et qui fait en même temps leur différence par rapport aux tableaux, c'est qu'elles sont immutables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier leur valeur après initialisation. Donc nous avons ici un code qui démontre cela. Donc nous avons précédemment déclaré une variable name qui contient la valeur Toto. Ici, on essaie de modifier le premier caractère, c'est-à-dire le T en minuscule ici, en le remplaçant par un caractère T qui est en majuscule. Après cette opération, on s'attend à modifier la valeur de name, de sorte à avoir le T qui remplace le T majuscule qui remplace le premier T qui est en minuscule ici. Mais lorsqu'on affiche le résultat ou le contenu de cette variable, après cette opération, on voit que nous avons toujours la valeur initiale qui est contenu dans la variable name ici. Donc cela montre que les chaînes de caractères sont immutables. Comme vu dans l'épisode de cette série sur les types, pour créer une chaîne de caractères, on utilise soit des double quotes qui sont représentés ici, soit les single quotes, soit les backticks. Lorsqu'une chaîne de caractères est créée en utilisant soit les double quotes, soit les semi-quotes, on dit que la chaîne de caractères a été créée en utilisant le string littéral. Nous avons donc quelques exemples ici de création de chaînes de caractères. Donc nous avons un premier exemple qui utilise les double quotes, un second exemple qui utilise les semi-quotes, et enfin un dernier exemple qui utilise les backticks. Donc il faut noter que les backticks sont utilisés lorsque nous voulons créer des chaînes multilignes ou des chaînes qui permettent d'utiliser des templates littérales que nous verrons par la suite. Donc dans le dernier exemple ici, nous avons un test Hello World que nous avons écrit sur plusieurs lignes. Donc pour éviter de concaténer cette chaîne, nous avons utilisé le backtick qui nous permet d'écrire des chaînes de caractères sur plusieurs lignes. Ou lorsqu'on veut écrire du test qui passe sur plusieurs lignes ou avoir un formatage particulier, nous pouvons utiliser les backticks. Donc c'est leur utilité. En programmation, on appelle caractère spécial un symbole ou un caractère qui a une signification particulière selon le contexte dans lequel il est utilisé. En JavaScript, par exemple, les semi-quotes, les double quotes et les backticks sont des caractères spéciaux qui servent de délimiteurs pour la création d'une chaîne de caractères. Lorsque nous souhaitons par exemple utiliser des double quotes à l'intérieur d'une chaîne dont les délimiteurs sont des double quotes, alors il faut indiquer au moteur JavaScript que nous utilisons le caractère double quotes non pas comme un délimiteur, c'est-à-dire un caractère spécial, mais comme un simple caractère. L'action d'indiquer à un compilateur ou un interpréteur que nous souhaitons utiliser un caractère spécial comme un simple caractère sans aucune signification particulière est appelée échappement. On dit qu'on échappe un caractère spécial. Pour échapper un caractère spécial en JavaScript, on utilise le caractère anti-slash qui est représenté ici. Comme nous le verrons par la suite, l'anti-slash placé devant certains caractères alphabétiques a une signification particulière. Nous avons ici quelques exemples qui montrent l'utilisation de l'anti-slash pour échapper un caractère. Donc le premier exemple que nous avons ici, nous avons une chaîne de caractères qui est créée en utilisant les single quotes, c'est-à-dire les simple apostrophes, comme délimiteurs. Et on voit ici que le test en question contient un single quote. Donc pour indiquer au moteur JavaScript que nous ne voulons pas ici arrêter, nous ne voulons pas marquer ici la fin de notre test, on utilise l'anti-slash pour échapper le caractère single quote ici. Sinon le moteur va considérer le test comme étant Hello I. Donc le test sera coupé ici. Si on n'avait pas utilisé l'anti-slash pour indiquer au moteur que nous ne sommes pas encore à la fin de notre chaîne de caractères que nous sommes en train de créer. Donc pareil ici, nous avons un message qui est créé en utilisant le string littéral avec les double quotes comme délimiteur. Donc pareil, lorsqu'on essaie d'insérer à l'intérieur de ce message
les caractères jump codes. Donc, on doit les échapper pour indiquer au moteur que nous ne sommes pas ici à la fin de la chaîne que nous sommes en train de créer. Donc, nous avons un dernier exemple où nous avons un test qui contient le anti-slash. Donc, pour indiquer au moteur que le anti-slash ici n'est pas un caractère particulier, un caractère spécial plutôt. Donc, on procède ici à son échappement. Donc, je vois que j'ai le test qui s'affiche bien ici. Donc, nous avons dit tout à l'heure que supposons que je veux avoir la forme contractée du arm ici et que je veux y insérer, par exemple, et que je veux y insérer, par exemple, un single quote ici pour avoir la forme contractée de IAM. Donc, en faisant cela, on voit tout de suite qu'on a une erreur. Pourquoi? Parce que le moteur JavaScript considère que ici, je marque la fin de ce caractère. Donc, pour rendre ce test valide, je serais obligé soit de faire ceci et de faire un plus ici pour marquer une concaténation. Mais mon idée n'est pas de le faire comme ça. Même si je le fais comme ça, je n'aurai pas le résultat escompté parce que pour moi, j'ai besoin d'avoir un apostrophe après le I. Donc, si j'exécute ça, on verra qu'on aura Hello, Hello World, et puis j'aurai I. M modeste sans le apostrophe. Donc on va tester cela. Donc si je fais ceci, donc on voit que j'ai le Hello World à modeste mais sans le apostrophe. Donc si nous voulons insérer l'apostrophe à l'intérieur ici de ce test, mais en utilisant les single quotes, donc nous sommes obligés de faire ceci. Donc on est obligé de faire quelque chose comme ça. D'utiliser l'anti-slash pour dire ici qu'on ne marque pas la fin de notre chaîne de caractères. Donc si je réexécute le code, donc on voit bien maintenant qu'on a le am modeste ici. En JavaScript, il est possible d'insérer un saut de ligne ou une tabulation dans une chaîne de caractères en utilisant respectivement le caractère anti-slash suivi de n, comme nous l'avons ici, pour créer un saut de ligne, et le caractère anti-slash suivi de t lorsque nous voulons créer une tabulation. Nous avons ici deux exemples qui montrent l'utilisation du saut de ligne et de la tabulation. Donc ici, je vais créer un test. Donc je crée un test ici. Donc je vais afficher dans un premier instant ce test. Donc je procède en premier affichage. Je mets juste le test ici. Je l'affiche dans un premier temps. Donc on a bien notre test. Hello à modeste. Donc supposons maintenant que je veuille insérer ici un saut de ligne après le Hello World. Donc il me suffit de faire ceci. Donc je fais un petit slash, je mets N ici. Donc si j'exécute à nouveau le code, donc on voit que le test en modeste ici passe sur une nouvelle ligne. Donc on a un saut de ligne qui est créé ici et qui fait passer le test sur la prochaine ligne. Donc pareil, supposons que ici, après le am, je veux au contraire ici. Je veux insérer une tabulation. Donc, il me suffit de faire anti-slash t ici. Donc, si je fais j'exécute le code, donc je vois que j'ai une tabulation qui est créée ici. Donc, j'ai le test qui est décalé en utilisant ici la tabulation. Donc, si je mets deux fois la tabulation, donc ça veut dire que j'aurai deux tabulations qui sont créées. Donc, on voit qu'il y a plus d'espace ici par rapport au premier test qui était affiché. Donc, pareil, si je mettais ici anti-slash n deux fois. Donc ça veut dire que je vais créer deux sauts de ligne après le test Hello World. Après le test Hello World. Donc ici, on voit que j'ai un saut de ligne et un second saut de ligne ici également. Donc ça fait premier saut de ligne, second saut de ligne. Nous allons maintenant voir les templates littérales ou les templates string qui sont des chaînes de caractères créées en utilisant les bactiques. Leur particularité, c'est qu'elles permettent de réaliser des interpolations de variables et d'expressions qu'on appelle string interpolation. La syntaxe de création des templates string ou des templates littérales se présente comme suit. Donc, nous avons l'utilisation des backticks à l'intérieur desquels on insère le caractère $ suivi des paires d'accolades ouvrantes et fermantes à l'intérieur desquels on insère une expression ou le nom d'une variable donnée. Nous avons ici deux exemples. La première utilisant la substitution de variables et la deuxième utilisant la substitution d'expressions. Donc nous allons retourner à notre navigateur et réaliser quelques tests pour mieux expliquer cela. Nous allons voir dans un premier temps comment réaliser la substitution de variables en utilisant les templates string. Donc ici, nous avons deux variables, la première contenant le prénom d'une personne,
la seconde contenant le nom d'une personne. Supposons que nous voulons afficher un message en respectant ce format. Donc on dira dans la pratique ou en programmation que ceci représente pour nous notre template. Donc nous voulons afficher le nom de cette personne, utiliser ces informations pour afficher un message à la personne en utilisant le template qui est défini ici. Donc ça veut dire que ici nous voulons remplacer ceci qu'on appelle un placeholder par le nom de la personne et ce second placeholder par le prénom de la personne. Donc pour réaliser cela, nous allons juste créer ici une nouvelle variable que nous pouvons nommer message par exemple. Donc ici, nous avons vu que pour créer des templates string, il suffit d'utiliser les job backticks. Donc on vient de réaliser cela. Donc on va juste copier notre template tel quel. On l'insère ici. Donc nous avons notre template. Mais si nous affichons directement ce message comme ça, nous n'aurons rien pour le moment. Parce qu'on n'a pas encore procédé à la substitution des variables. Donc si je fais l'affichage du message, donc j'aurai juste le template avec les placeholders que j'ai inséré. Donc l'idée derrière, c'est de remplacer ces placeholders par des variables correspondant aux valeurs qui sont ici. Donc nous avons vu que la syntaxe pour réaliser la substitution, pour créer les strings littérales, les strings, template strings, c'est d'utiliser $. Donc on ouvre ensuite les paires d'accolade. Et ici, on doit insérer soit une expression, soit un nom de variable. Donc dans notre cas, il s'agit du nom d'une variable. Donc le nom est représenté par lastName. Donc on copie juste ça, on l'insère là. Donc si nous réalisons un premier test, donc on voit maintenant que le test affiché est « mon nom est A », qui est la valeur ici. Donc si on remplace ceci par un nom complet par exemple, et que je fais la même chose, donc on voit que mon nom est à Chambon. Donc il nous reste la partie prénom à remplacer également par une variable, la substitution de variable. Donc on fait la même chose, on utilise le firstName ici, on l'insère là. Donc je fasse le contenu de ma console, j'exécute le code, donc on voit maintenant que j'ai mon nom est à Chambon et mon prénom est Modeste. Donc je peux aller plus loin et faire ceci. Je peux faire ça. Donc si j'exécute ça, je verrai maintenant le nom et le prénom encadrés par des double quotes. Donc j'ai bien le résultat escompté. Donc c'est de cette façon qu'on réalise la substitution de variables en utilisant les template strings. Donc supposons que nous avons une variable qui contient une valeur donnée, dans ce cas 20, et que nous souhaitons afficher le message, le job est égal à, et remplacer le placeholder que nous avons ici par le job de la valeur de x ici. Donc pour réaliser cela, nous allons procéder comme tout à l'heure. Donc je vais créer une variable par exemple que je vais nommer message encore une fois, ou message 2. Donc ici je prends dans un premier temps le template que je veux. Donc je l'insère dans des backticks. Ensuite je vais remplacer ici mon placeholder par la substitution d'expression. Donc pour la substitution d'expression, nous avons vu que le template littéral peut contenir ici soit des noms de variables, des expressions qui peuvent être évaluées. Donc il me suffit de remplacer ici, d'insérer ici l'expression que je veux. Donc dans notre cas, on veut calculer le double de la valeur de x. Donc il me suffit de faire ceci, x multiplié par 2. Donc on peut ensuite afficher cela. Donc je fais ici console log. Donc je vais afficher ici la valeur du message de. Donc j'efface le contenu ici, je fais ça. Donc je vois que j'ai le double est égal à 40, qui respecte le format qui m'est donné ici. Donc là, on a inséré une expression à la place du nom de la variable dans le template string. Donc si on modifie par exemple cette valeur et qu'on met 100 ici, ou que je mets 2,5, donc je m'attends à avoir le double est 5. Donc si j'exécute, donc j'ai le double qui est égal à 5 dans ce cas. Donc c'est de cette façon qu'on utilise la substitution
d'expression. Il faut noter qu'il est possible de combiner les deux. Donc si j'avais par exemple ici une variable qui contient le nom d'une personne, qui est par exemple Toto, donc je peux faire ceci, insérer ici le nom. Donc j'aurai le résultat Toto, le double est égal, donc c'est ça. Donc on peut combiner la substitution d'expression et la substitution de variables au sein d'un même template string. Avant de passer aux méthodes de manipulation des chaînes de caractères, nous allons réaliser un dernier exercice pratique, rapide. Donc supposons que nous avons une liste d'éléments, comme ça, de pays, et que nous voulons créer une liste d'éléments HTML à partir de ce test. Donc l'idée, c'est d'avoir une liste d'éléments comme ça. Donc ce que nous voulons réaliser, c'est qu'à la fin, nous voulons avoir une liste comme ça, une liste d'éléments HTML. Donc on aura UL comme ça, fermeture, et à l'intérieur, on aura plusieurs éléments LI comme ça. En supposant que nous voulons avoir quelque chose comme ça, LI, et qu'à l'intérieur, qu'on ait ici Ghana, le second, que ce soit Togo, etc. Donc on peut réaliser cela en utilisant les template strings. Donc on va réaliser un petit exercice pratique pour produire ce template ou ce test ou créer cette liste d'éléments HTML en utilisant nos connaissances que nous avons acquises jusque-là. Donc ici, ce que je vais faire dans un premier temps, je vais créer une nouvelle liste d'éléments. Donc je vais nommer ça items. Donc je vais prendre la liste des pays. Donc je vais réaliser un premier mapping dessus. Donc l'idée du mapping, c'est de créer dans un premier temps ces listes d'éléments. Donc ici, pour chaque élément contenu dans le tableau, donc pour chaque country ici, je vais utiliser les string interpolation ici pour créer pour créer chaque liste d'éléments. Donc je vais prendre simplement ce template et je vais remplacer le Ghana ici par le nom du pays. Donc il suffit de mettre ici country. Donc en faisant ça, j'aurai un tableau d'éléments qui va contenir, à la place des noms de pays simples, j'aurai un nouveau tableau qui va contenir des pays, mais cette fois-ci encadré par les LI. Donc si on affiche ici le contenu simplement de... Si on affiche le contenu de items ici. Donc on voit qu'on a une nouvelle liste qui contient les noms des pays, mais cette fois-ci encadrée par des LI, c'est-à-dire des listes d'éléments. Donc il nous suffit maintenant de créer cette liste finale en nous basant sur ce que nous avons ici. Nous avons vu que avec les tableaux, et lorsqu'on avait dans l'épisode sur la programmation fonctionnelle, nous avons vu que les tableaux, on peut réaliser la fusion des éléments d'un tableau et les convertir en une chaîne de caractères en utilisant un séparateur donné. Donc ici, vu que le résultat de tout ceci correspond à un tableau qui est affiché ici, il me suffit de faire ici un point join sur ce tableau et de dire que je vais fusionner ces éléments mais sans utiliser de séparateur. Donc si j'affiche maintenant le résultat, on s'attend à avoir maintenant, ici, la valeur à la fin ne sera plus un tableau, mais ce sera un test. Donc, si je fais ça, donc on voit que maintenant on a le test qui est une association de, une jointure, plutôt une fusion de ces différents éléments qui étaient initialement dans le tableau ici. Donc, à la base de ce tableau maintenant, je peux créer maintenant ma liste finale. Donc, si je fais ici, donc je peux mettre ici liste HTML comme ça. HTML. Donc va correspondre à, donc j'utilise encore les strings
interpolation, donc je fais ici UL suivi de UL. Et à l'intérieur ici, j'insère au final ma liste d'éléments. Donc il suffit d'insérer ici mes items. Donc je copie ça et je l'insère là. Donc après cela, je peux maintenant afficher ma liste HTML finale. J'efface le contenu de ma console, j'exécute le code. Donc on voit maintenant que j'ai UL, LI. J'ai ma liste HTML qui est créée en utilisant les string interpolation. Donc si je veux avoir un bon affichage ici, je peux aller plus loin en insérant à la fin de chaque ligne ici, je peux insérer les sauts de ligne comme ça. Donc si je fais ça, ça me permet d'avoir l'affichage escompté. Donc je peux encore aller plus loin et dire que après les UL, je veux créer ici un saut de ligne également. Donc je fais anti-slash n et ici également anti-slash n. J'efface le contenu de ma console, j'exécute. Donc ici, on voit maintenant qu'on a bien le résultat escompté. Donc on est parti de ceci pour créer une liste d'éléments HTML. Nous allons maintenant voir quelques méthodes de manipulation des chaînes de caractères en JavaScript. Et pour rendre cette partie intéressante, nous allons tout réaliser par des petites pratiques dans notre navigateur. Nous avons ici quelques variables que nous avons déclarées et initialisées avec certaines valeurs dans le but de les utiliser pour la pratique. Donc nous allons commencer ici par voir comment déterminer la taille d'une chaîne de caractères en JavaScript. Donc pour déterminer la taille d'une chaîne de caractères en JavaScript, on utilise la propriété length pour réaliser cela. Donc on utilise la propriété length de chaînes de caractères vu que les chaînes de caractères se comportent comme des tableaux. Donc si je fais ceci, donc j'ai la chaîne str4 qui correspond à Toto, qui est constituée ici de 4 caractères. Donc lorsque je fais ça, donc on me dit que la taille est de 4, donc constituée de 4 caractères. Nous allons maintenant voir comment mettre une chaîne de caractères en majuscule. Pour réaliser cela en JavaScript, on utilise la méthode toUpperCase, qui s'écrit comme ça, donc toUpperCase, toUpperCase. Donc ça veut dire qu'en faisant ceci, j'aurai Toto en majuscule dans ma console. Donc j'exécute le code, donc j'ai le test Toto qui est passé en majuscule. Donc je peux faire la même chose par exemple pour le premier test. Donc si je prends le test str1 ici, qui est représenté par ça, si je procède à l'appel de toUpperCase dessus, donc je m'attends à voir tout ça qui est en majuscule. Donc je fais ça. Donc tout le test est passé en majuscule. Donc nous avons son équivalent qui permet de transformer tout le test en minuscule. Donc je vais juste récupérer ce test par exemple. Je copie ça, je remplace le toto ici par un test tout en majuscule. Donc pour afficher maintenant ce test en minuscule, je peux utiliser la méthode toLowerCase qui permet de transformer un test en minuscule. Donc je fais ceci, donc je fais toLowerCase. Donc ça me permet de transformer tout ce test en minuscule. J'ai fait une erreur ici, ok, j'ai remis le toLowerCase. Donc j'ai mon test ici qui passe en minuscule. Nous allons maintenant voir comment récupérer un caractère se trouvant à une position donnée. Donc pour réaliser cela, vu que les chaînes de caractères se comportent comme des tableaux, on peut soit faire directement ceci. Donc supposons que j'ai cette chaîne et que je veux récupérer le caractère n ici. Le caractère se trouvant à la position 0, 1, 2, 3 ici. Donc il suffit de faire ceci, str3 comme ça. Donc en faisant cela, je vais récupérer le caractère n. Donc j'ai bien le caractère n qui est récupéré, vu que les chaînes de caractères se comportent comme des tableaux. Donc on peut procéder autrement en utilisant la méthode at comme ça, qui nous permet de faire la même chose. Donc si je mets at 3 ici, en procédant comme ça, je peux également récupérer le caractère n. Donc je fais ceci. Donc cette méthode me permet également de récupérer le caractère n. Nous allons maintenant voir comment réaliser la concaténation de deux chaînes de caractères. Donc il y a plusieurs façons de réaliser cela. Donc supposons que nous voulons fusionner le test 1 et le test 2.
Donc on peut utiliser soit l'opérateur de concaténation, donc soit je fais comme ça, plus, et je fais str2 comme ça. Donc en procédant ici, je vais fusionner ce test avec le test. Donc si je fais ceci, donc on voit que le résultat issu de cette expression, qu'on peut affecter dans une variable si nous le souhaitons, est la concaténation de ces deux variables, de ces deux, du contenu de ces deux variables. Donc nous avons au final le test, je m'appelle, je ne me rappelle pas exactement, suivi de test gmail.com. Donc c'est le résultat que nous avons ici. Donc on peut procéder autrement en utilisant la méthode concat qui est disponible sur les chaînes de caractères. Donc là, on lui passe la liste des chaînes de caractères que nous voulons concaténer avec la chaîne initiale. Donc il me suffit ici de mettre str2. Et j'aurai le même résultat que tout à l'heure. Donc j'exécute cela. Donc on voit que j'ai le même résultat. Donc je peux aller plus loin. Si je veux concaténer d'autres chaînes, il suffit de les ajouter ici. Donc c'est une méthode qui prend une liste de chaînes de caractères à concaténer. Donc si je fais play ici, donc on voit que là, nous avons le premier test qui est concaténé avec le contenu de ces deux variables. Raison pour laquelle nous avons le résultat ici. Nous allons maintenant voir comment enlever de l'espace au début et à la fin d'un test donné. Donc supposons que la variable ici, str2, contient l'email qui est saisi par un utilisateur. Et que lors de la saisie, l'utilisateur a fait l'erreur d'insérer de l'espace autour de l'email ici. Donc je vais juste afficher dans un premier temps la variable, le contenu de la variable. Donc ici on voit qu'il y a de l'espace avant et après l'email de l'utilisateur. Donc supposons que nous voulons enlever cet espace au début et à la fin de ce test. Donc pour réaliser cela, on utilise la méthode trim comme ça. Donc si j'affiche le résultat cette fois-ci, donc on voit que l'espace, il n'y a plus d'espace au début et à la fin du mail comme c'était le cas ici. Bon, les équivalents de cette méthode qui permettent d'enlever du test juste à gauche ou soit juste à droite. Donc si nous voulons, supposons que nous voulons ici, enlever le test juste au début ici. Donc on aurait pu écrire ceci, trim right comme ça. Non, trim left plutôt, vu que c'est à gauche au début, donc je fais trim left. Donc si j'exécute cela, on voit que l'espace est enlevé juste au début, mais à la fin, on a toujours de l'espace qui reste, c'est-à-dire du côté droit. Donc nous avons l'équivalent trim right comme ça, qui permet d'enlever juste le test à droite. Donc selon le cas d'utilisation ou ce que nous voulons faire, nous pouvons utiliser soit le trim pour enlever le test au début à la fin, soit le trim right pour enlever le test juste à la fin, ou trim left pour enlever le test juste au début. Donc ici, on voit que le test au début est toujours conservé, et c'est le test à la fin qui est enlevé. Nous allons maintenant voir comment récupérer une sous-chaîne de caractère d'une chaîne de caractère principale. Donc supposons que nous avons le test suivant, et que nous voulons récupérer juste le test « je ne me rappelle pas ». Le test « je ne me rappelle pas ». Donc pour réaliser cela, on peut utiliser la méthode « slice » comme nous l'avons vu pour les tableaux. Donc on peut utiliser la méthode « slice » comme ça pour réaliser cela. Donc la méthode « slice » fonctionne de la même façon que pour les tableaux. Donc si vous ne savez pas comment cela marche, donc je vous invite à regarder la vidéo sur les tableaux où nous avons expliquer en détail l'utilisation de la méthode slice. Donc ici, si je veux m'arrêter, je vais juste copier le test, je ne me rappelle pas, donc je dois préciser le début de la copie ou de la récupération de la sous-chaîne. Donc je dis ici que je commence par le premier caractère. Donc je dois ensuite indiquer l'arrêt ou la position qui marque la fin de la récupération ou de la copie de la sous-chaîne. Donc ici, on a la position 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc je vais m'arrêter ici et ne pas prendre ce caractère en compte. Donc je vais mettre ici juste 20, qui représente la fin de la copie. Et il faut noter que la position ou l'index indiqué ici n'est pas inclus dans le résultat. Raison pour laquelle je suis allé jusqu'à la position 20 au lieu de m'arrêter là. Donc si on regarde le résultat issu
Je t'appelle, donc on voit bien que je ne me rappelle pas, et bien récupéré. Donc si j'avais voulu m'arrêter, si j'avais mis 19 ici, ça veut dire que je vais m'arrêter au caractère S ici, à cette position. Et cela implique que le caractère S ne sera pas inclus dans le résultat. Donc il faut juste faire attention à cela. Donc ici on voit que le S n'est pas inclus parce que j'ai indiqué ici que je m'arrête à la position 19 qui ne sera pas inclus dans le résultat retourné. Donc supposons que je veux récupérer maintenant juste le caractère exactement. Donc nous avons vu également que le slice on peut l'utiliser d'une autre façon en utilisant ici des valeurs négatives. Donc là je vais commencer la lecture depuis la fin vers le début. Donc ici je vais dire que je suis à la première position, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je peux mettre ici que je commence ma copie à partir de moins 11 et que je copie jusqu'à la fin. Donc ici, pour indiquer la fin, je peux faire juste ceci. Donc en faisant ceci, ça me permet de récupérer juste le test qui se trouve là. Nous allons maintenant voir comment déterminer la position d'un caractère ou d'une chaîne de caractères donnée dans une chaîne de caractères principale. Donc supposons que nous voulons ici déterminer la position du test exactement. Donc pour réaliser cela, on utilise la méthode IndexOf. Donc je fais str4, donc je fais ici IndexOf comme ça. Et je lui passe le test que je veux vérifier. Donc je peux faire ceci. Donc là, en faisant cela, le résultat qui sera issu de l'appel de IndexOf, c'est que ça va me retourner la position où le test sera retrouvé. Donc dans mon cas, je m'attends à avoir, par exemple, je m'attends à avoir la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7, 18, 19, 20, 21. Donc je m'attends à avoir ici 21 comme résultat. Donc j'ai bien le 21 qui correspond à la position à partir de laquelle commence le test que j'ai fourni en paramètre ici. Donc on peut préciser, je peux dire également que je veux vérifier à partir de quelle position commence le test. Donc du coup ici le test commence à partir d'ici, c'est-à-dire à partir de l'index 0. Donc on s'attend lorsque je vais exécuter le code à avoir 0. Donc j'ai bien le résultat escompté. Donc c'est de cette façon qu'on peut déterminer la position d'un test ou d'un caractère dans une chaîne principale. Donc la chaîne principale ici, c'est STR4 dans notre cas. Nous allons maintenant voir comment remplacer dans une chaîne de caractères un test par un autre test. Donc supposons que ici, dans le test STR2, nous voulons remplacer par exemple le caractère arrobase par dièse par exemple. Donc pour faire cela, on utilise la méthode replace. Donc ici, je prends le test en question. Je fais un replace comme ça. Donc replace prend en paramètre le test que nous voulons remplacer. D'abord, donc j'ai le arrobase. Donc je dis ici que je veux remplacer arrobase par dièse. Comme ça. Donc lorsque j'exécute le code, donc on voit que dans le test@gmail.com, nous avons le caractère arrobase qui est remplacé par dièse ici. Donc nous pouvons dire par exemple que nous voulons remplacer le point com. Supposons que nous voulons remplacer le point com par point fr par exemple. Donc je peux faire ceci et dire que je veux le remplacer par point fr. Donc ça me permet de remplacer le test en question par un autre test. Supposons que je mette encore un deuxième point com ici, ça c'est pour vous montrer le vrai fonctionnement derrière. Donc si je fais ceci, on note que c'est seulement le premier test qui est remplacé. Donc c'est pas tout le test, tous les tests qui sont, toutes les instances du test en question qui sont remplacées, mais c'est seulement le premier qui est remplacé. Donc si nous voulons remplacer toutes les instances du test par fr, donc là, il va falloir utiliser le replace all dans ce cas. Donc le replace all permet de remplacer toutes les instances, alors que le replace permet de remplacer juste la première instance du test qui est trouvée. Donc si j'exécute ceci, on voit maintenant que nous avons test@gmail.fr.fr.
Donc on utilise le replace all lorsqu'on veut remplacer toutes les instances. On utilise le simple replace lorsqu'on veut remplacer une seule instance, c'est-à-dire la première qui sera trouvée de la gauche vers la droite. Nous avons également la méthode split qui permet de morceler un test en utilisant un délimiteur donné. Donc supposons ici pour mieux comprendre l'utilité du split, j'ai ajouté un cinquième test ici. Donc supposons que ici j'ai l'année, la date de naissance d'une personne par exemple. Donc je mets ici 2022 par exemple. Donc supposons que je veux morceler ce test en un tableau en utilisant le tiret comme un délimiteur. Donc je peux faire ceci. Donc je fais str5 comme ça. Et je fais un split. Donc ça me permet de morceler ou de casser ce test en un tableau de chaîne de caractères. Donc j'indique juste ici le délimiteur qui sera utilisé lorsqu'on va essayer de casser le test. Donc si je fais play ici, donc on voit que ça nous retourne un tableau dont la première valeur représente la valeur ici, la deuxième valeur, cette valeur, la troisième, cette valeur. Donc on peut utiliser la méthode split pour casser un test ou morceler un test en un tableau en utilisant un délimiteur donné. Donc dans notre cas, on a utilisé le délimiteur, ce délimiteur. Donc si je prends par exemple le str4 et que je procède pareil, et que je dis par exemple que je veux comme délimiteur de l'espace, donc j'aurai au final un tableau qui va contenir ces différents mots. Donc si j'exécute ça, je fais le play. Donc on a ces différents éléments qui se retrouvent dans le tableau au final. L'avant-dernière méthode que nous allons voir dans cette partie est la méthode include, qui s'écrit comme ça, qui nous permet de vérifier si une chaîne de caractères contient un test donné. Donc supposons que je veuille vérifier ici, je vais prendre un test ici, je vais prendre ça. Donc supposons que nous voulons vérifier si cette chaîne de caractères contient 2022. Donc on va faire ceci, on va passer en paramètre la chaîne 2022 au include. Donc si je fais ça, donc j'ai true. La méthode retourne true lorsque la chaîne qui est passée en paramètre ici est contenue dans la chaîne de caractères principale. Sinon, la valeur de retour sera false. Donc cette méthode retourne un booléen. Donc je refais le test, supposons que je veux vérifier si ce test contient par exemple 20. Donc j'aurai toujours vrai parce que le test contient 20 ici. Donc si je remplace le 20 par, supposons que je vérifie si ça contient 3, j'exécute. Donc là j'ai false parce que la chaîne de caractères ici ne contient pas le test ou le caractère 3 dans ce cas. La dernière méthode que nous allons voir ici est la méthode repeat qui nous permet de répéter un test un certain nombre de fois. Donc ici j'ai ajouté une nouvelle variable str6 qui contient la valeur dièse, le test dièse, la chaîne de caractères dièse dans ce cas. Donc supposons que je vais répéter cela 10 fois. Donc il suffit de faire repeat comme ça. 10 comme ça. Donc ça me permet de répéter ces chaînes de caractères 10 fois. Donc je fais ceci. Donc on voit que la chaîne de caractères est répétée 10 fois. Donc je peux utiliser par exemple cette technique pour réaliser un petit formatage. Donc supposons que je veux réaliser un formatage de l'email ici. Donc ici, je vais combiner un peu tout ce que nous avons vu jusque-là. Donc dans un premier temps, je vais faire ceci. Je vais nommer ça, supposons que c'est mon nouveau délimiteur. Donc mon nouveau délimiteur, je considère que c'est 10 fois le caractère dièse. Donc ici, je vais utiliser simplement le string interpolation par exemple. Donc je peux utiliser ça pour réaliser un petit formatage ici. Donc je vais dire que je vais d'abord afficher mon délimiteur. Donc je fais ceci. Je vais afficher mon délimiteur suivi de l'email de la personne par exemple. Donc je mets str2 ici.
suivi encore du délimiteur. Donc je copie ça, je le mets là. Donc ceci me permet de réaliser un petit formatage de mon email. Donc lorsque je vais afficher ça, donc on voit que j'ai un petit formatage de l'email en utilisant la méthode repeat. Il faut noter qu'il existe de nombreuses autres méthodes de manipulation des chaînes de caractères en JavaScript que nous n'avons pas vues dans cette vidéo. Je vous invite par vous-même à faire une recherche ou à consulter la documentation sur les chaînes de caractères en JavaScript pour découvrir d'autres méthodes qui vous seront utiles dans le quotidien. Voilà pour ce que j'avais à partager avec vous sur l'utilisation des chaînes de caractères en JavaScript. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.